Bien bonsoir, messieurs, dames, je suis excité. Aujourd'hui, je vais passer 24 heures sur Assassin's Creed Black Flag. 24 heures, ça fait un peu beaucoup quand même. Vous l'avez peut-être découvert dans mon dernier top 8 de mes Assassin's Creed préférés, mais Black Flag, c'est mon numéro 1. C'est celui que je préfère. L'univers des pirates, les batailles navales des îles comme la Havane, Nassau, des personnages mythiques. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est un truc de malade. Pendant 24 heures, je vais explorer toute la map. On va profiter du monde ouvert. Partir à l'aventure avec les pirates. Bah, patate de forain, c'est un pirate Beaujolais. Ça a pété. À la bordade. Wow, le tsunami. Accrochez-vous. Non. Et bien évidemment, j'avancerai dans la quête principale. En 24 heures, il va y en avoir des choses à faire. Je vais vous résumer le meilleur dans cette vidéo. Ça va prendre du temps, alors n'hésitez pas à donner de la force avec un pouce bleu et un commentaire. C'est un nouveau format que j'aimerais faire sur des jeux mythiques comme ça. Et franchement, vous allez voir, c'est trop bien. Le jeu est sorti en 2013 sur PlayStation 3 et 360. Je suis choc-barre de l'état du jeu actuel. Franchement, il est nickel. Mais des assassins mythiques, il y en a encore des masses. Et grâce au sponsor de cette vidéo, Ubisoft, je peux vous en parler. Dans la description, vous trouverez un lien direct pour le store Ubisoft, où actuellement, il y a des promotions incroyables sur tous les Assassin's Creed et vous pouvez tous les choper. Alors bien évidemment, vous avez le tout dernier opus, Assassin's Creed Mirage, qui vient de sortir, mais vous pouvez aussi largement vous plonger dans les plus anciens qui ont des tarifs absolument incroyables et ça vaut vraiment le coup. Que ce soit Assassin's Creed Rogue pour les moins connus ou encore Assassin's Creed 2 Brotherhood pour les plus mythiques, il y a du moins 70%, moins 75%, moins 80%. Brotherhood à 3,75€, c'est du délire. Et celui que je recommande, bien évidemment, Black Flag à 12€. N'hésitez pas, foncez dans la description. Messieurs, dames, direction les Antilles. On suit le pirate gallois Edward Kenway, qui est d'ailleurs le grand-père de Connor d'Assassin's Creed 3 et père de l'antagoniste Ethan Kenway dans Assassin's Creed 3 aussi. Tout est lié. Le jeu commence très fort. Le navire dans lequel Edward se trouvait a été attaqué. Suite à une explosion à bord, Kenway a été propulsé dans l'eau. Ah bah là, c'est le grand plongeon. Quand il reprend conscience, il se retrouve sur une île déserte avec un assassin qui s'est enfui dans la jungle. Je vais t'avoir, sale anguille. Philippe, je sais où tu te caches. Edward le retrouve et le tue. Un peu excessif. En le fouillant, il récupère ses vêtements d'assassin ainsi que son identité, pour qui il se fera passer. Allons toucher votre récompense. Et une petite lettre. J'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. De la part du gouverneur de Cuba, promettant une récompense en échange de cartes qu'il transportait. Voilà, il a ferré le filon. À la base, Edward, lui, ce qu'il veut, c'est de la moula. Après un petit peu d'exploration, Edward découvre un navire dont l'équipage est détenu par des soldats britanniques. Il finit par les tuer et rencontre le dernier orage. Quel est ton nom, mon ami ? Steed. Steed Bonnet. C'est lui qui possède le fameux navire. Bonnet a perdu son capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je piloterai moi-même, ne t'en fais pas. C'est l'homme de la situation, bien évidemment. Ils ont tous les deux pour objectif de se rendre à la Havane. Messieurs, dames, bienvenue. Ils se retrouvent au port. On suit Bennett qui doit livrer de la marchandise, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Écartez-vous, malheureux! Mon Dieu! Pas possible, ça! Oh, ah oui, voilà, on va rester sur la mission. Non mais franchement, regardez-moi ça, c'est quand même incroyable. Moi, je suis choqué, hein. Je trouve ça trop trop bien. Hop, hop, hop. Bon là, j'ai pas grand-chose. Hein. Pas encore de lame, quoi que ce soit. Ah, il faut que je monte là-haut. Ok, on va voir le premier point d'observation de la Havane. Ça me fait trop plaisir de rejouer. Bon, par contre, c'est vrai que le parcours était beaucoup trop facile. Bah, je dis ça forcément quand je bloque. C'est super. Franchement, t'appuies juste sur RT et il monte tout seul. Moi, j'aimerais bien que ce soit plus dur. Synchronisation. Let's go. Oh, c'est trop beau. On est sur une petite map, la Havane, très sympa. Tiens bon. J'arrive. Ah. Faut être serein hein, pour faire ce saut, moi je te le dis. Viens ici toi, malotru. De où tu voles les pauvres civils? Merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est bien. Arrête, mais il tape les gens. Faites coincer, Chang. Viens de vine, c'est un pirate Beaujolais. Mais je peux pas le rattraper, il court trop vite. Non mais c'est fait exprès, c'est pas possible. Merde. Ah, je me rappelle de tous ces problèmes d'AC quand tu fonçais dans les murs. Arrêtez-le. C'est un criminel, appelle la police. Et je vais courir encore longtemps parce que moi j'ai 24 heures là. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'il a ralenti de fou là. C'est vraiment le jeu qui me le laisse. Ah, mais dès que je suis à 7 mètres, il carbure, regarde, il a accéléré ce matin. Mais arrêtez-le, pitié.
Waouh, enfin, mais putain de merde, mais je vais le défoncer. Ah. Je crois que c'était un peu excessif de le tuer comme ça, non? Oh, y'a la police et tout là partout, je me barre. On se casse. Oh, y'a un chien. Can we pet the dog? Je m'en rappelle plus, mais je pense. Si on peut, mais oui! C'est best features. Oh, regardez, il se roule. Oh, la chance, j'ai pas de fumigène, toi. Fuis, malheureux. Je ne peux plus me contrôler. Alors, pour la petite anecdote, c'est marrant, mais une de mes premières vidéos est sur ce jeu. Et c'était une parodie qui était vraiment ultra cringe. Où je faisais juste de la voix off, j'avais fait ça dans mon lit parce que je m'ennuyais. Ah, la Havane. Enfin, nous y voilà. Pays où recoulent les péripatéticiennes ou le rhum coule à flot. Hey, Bennett. Nous y sommes. Mais c'est là en plus que j'ai fait ma fameuse vidéo, c'est à cette séquence. Oh là là, l'enfer. Ça fait bizarre de voir un gallois. La voix off, elle est pas loin de la mienne. Fils de plume, qu'est-ce que tu fais dans ma taverne? Edward, c'est ça? Il a reconnu mon identité. Ok, donc là on va voir le système de combat. Oh, stylé, ça joue direct. Ok. Paf. Ouais, voilà. Donc là, c'est là où tu vois un peu la faiblesse. Bon, c'est le début du jeu, mais tu vois qu'ils attendent bien que je riposte, quoi. Ça, c'est un peu vieilli, quand même. Là, tu vois toutes les améliorations dans les nouveaux assassins, où t'as plus trop ça. Voilà, et c'est des animations, ça va très très vite, y'a pas de problème. Regarde, bah, patate de forain. Oh, il est vénère, hein. Bah. Oh là là, c'est beau, hein. C'est maîtrisé, ici, hein. Qui d'autre? Encore? Eh, je me suis fait toute la taverne. Y'a des soldats! Correz! La police! Vous n'allez pas partir? On se reverra! Et on se casse! Wouhou! Oh, le monde! C'est parti, c'est la fuite! Des pirates! Je prends l'échelle, hein, vous m'excuserez. Ok, il faut fuir la zone. Ouais, je lâche un petit clacos là. Donc là, je quitte la zone rouge et on est bon. C'est quoi le. Ah, voilà, ok. J'allais dire, c'est quoi les points bleus, mais c'est pour se cacher. Rapide et efficace! Je peux sortir direct, genre ils me reconnaissent pas. Non, c'est pas moi, j'ai complètement. Ah, bah si, il me reconnaît par contre. Merde, merde, cache-toi! Non, vous n'avez rien vu, je ne suis que le jardinier. Il n'y a personne ici! Et il tape de ses jumps par contre. Donc là, il faut que je retourne au bateau. On va se. Bah, ils sont partout, hein. Je peux passer par là, je pense. Bonsoir, mesdames, est-ce que vous voulez m'aider? Ah, j'ai pas de sous, elle m'a mis un gros vent. T'as dit, vous êtes là que pour l'argent! J'ai un cœur aussi, dans le fond, d'accord? Oh, une lumière. Monsieur. Ah, merde! Je l'ai raté. Ah, c'est les fragments. Les fragments d'animus. Comment se passe la pêche, messieurs? Je veux vraiment pas. Non, je pense qu'il y a rien là, hein. Et je peux m'avancer là-dessus. Mais je vous le dis, vous ne m'écoutez pas. Regardez, là-bas, il y a du poisson. Non, un peu plus loin. Faut aller un peu plus loin. Faut avancer. Mais non, il y a rien, toujours pas. Vous n'écoutez pas ce que je dis, hein. Ah, ça, c'est mon futur bateau. Et c'est fou, hein, quand on y pense. En fait, à la base, ce jeu devait avoir un très gros DLC. Et il était axé sur le gameplay marin. On va le découvrir sans doute un petit peu plus après quand tu auras les batailles navales, etc. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait tellement un potentiel que ce DLC est devenu un jeu à part entière et c'est Skull and Bones. Alors ça fait très longtemps qu'on attend Skull and Bones, mais vous allez voir qu'on va retrouver pas mal des bases dans les prochaines phases de combat. Moi j'ai vraiment hâte de le tester, Skull and Bones, parce que j'adore ce style. Allez, c'est parti, on va avancer dans la quête. Edward a découvert l'existence de l'ordre des Templiers et de l'Observatoire. Un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre. Où qu'elle se trouve. Et il décide donc de se joindre aux Templiers. Bah, je suis pas sûr du choix, là. Il y obtient de Julien Ducasse les fameuses lames secrètes. Avec les Templiers, il part escorter le Sage, un précieux prisonnier capital au fonctionnement de l'Observatoire. Selon les vieilles légendes, le sang de Sage est requis pour entrer dans l'Observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Insatisfait de la récompense offerte par Torres, il décide de se venger en libérant le Sage pour en apprendre plus sur l'Observatoire. Et aussi se faire de l'argent. Mais en infiltrant le manoir du gouverneur, Edward est capturé et emprisonné sur un navire. Il arrive à s'échapper avec un autre prisonnier. Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. À dévoiler. Et vole un navire, le fameux Jogdo. Ah voilà, là c'est mon bateau. Et ils partent direction Nassau. Bon, là, on commence à bien avancer dans l'histoire. On a une progression de 34%. On rencontre des pirates notables comme Edward Touch, le fameux Barbe Noire, Benjamin Hornigold et James Kidd. Et avec leur aide, on recrute un équipage. Et là, on part vraiment dans un délire de république pirate. À notre république pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. En vrai, moi je trouve que le scénario il est incroyable. Plus tard, Edward se rend dans un temple à Touloum pour tenter de localiser Kidd. Il le trouve, mais fait aussi la rencontre du mentor Atabaï, un membre de la confrérie des assassins. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé.
et que la course vers l'observatoire recommence. Atabaï l'absolve pour ses actions à la Havane, où Edward avait quand même tué des assassins, quoi. Bon. Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. On a pris un petit vent, c'est pas grave, ça arrive. Plus tard, Edward découvre que Torres est dans un fort voisin avec une grande somme d'argent. Il élabore un plan pour retrouver le sage et récupérer cet argent en utilisant Torres comme appât. Bienvenue à Navassa. Bon, j'ai pas mal de missions secondaires, mais on va explorer un peu. On va grimper un petit peu. Non, mais dites-vous que le jeu, il a quand même plus de 10 ans, là. Hein. Oh, bah j'ai bien fait de monter. Ben, voilà, merci, ça fait plaisir. Regardez ce royaume. Un jour, tout ça sera mien. Attends, j'ai mon petit bateau qui m'attend là-bas. Là. Wouhou ! Oh, comment il pleut vite ! Wouah ! Wesh ! Qui c'est qui a éteint la lumière ? Ça va pas, non ? Oh, je vais faire du bateau en pleine tempête, ça va être incroyable. Tout le monde à bord, camarades ! Levez les amarres ! Sûrement, c'est un jeu de pirate, t'as toujours envie de crier, c'est terrible. Allez, ça part ! Waouh ! Alors, où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on n'irait pas chasser en pleine tempête ? Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Oh, ma la mer ! Yes! Voilà, c'est bon. Oh non! On va se battre! Ça va péter! Ah, ils nous tirent dessus! Oh, ils sont combien? Ok, on va prendre un petit peu. Wouah, c'est tellement stylé! Je vais me le faire! À l'abordage! Oh, j'adore! Mais pourquoi je suis tout seul? Venez, les gars! Moi, je suis que avec mes petites lames. Ça part. Feu. Dans les couilles. J'ai fait tuer mon allié. Let's go. Merde, j'ai perdu un membre de l'équipage. Et ils se rendent. Bah ouais, mais moi, je vous finis si je veux, là. Voilà, on se sert, on se met bien, on prend tout. Allez, ça dégage. Adieu. Ah, mais il y en a encore tellement là derrière. Oh, ils sont loin. Je vais le tenter. On y va. Tiens, goûte à ce stylo, je l'ai mis dans les voiles. Rechargez les canons! Oh! Voilà, on est bien là. Ah, tu veux chasser du pirate, toi? Mais il tient bien. Ok, je l'ai. Ouais, il est bon, il est foutu. Oh! Le coup final. Hihi! Let's go! Ça dégage. Oh, j'en mets un petit coup pour le plaisir. Oh, la vague! Wow, le tsunami! Génial, je suis comme un gosse. Alors on va regarder ce qu'il y a autour, il y a quoi? Un mec qui se noie, ouais. Ça m'intéresse guère. Ah, une petite chasse là. Requin bulldog. Ok, on va se le tenter. Parce qu'en plus de ça, j'ai amélioré un peu le jackdaw. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Hein. Mais là, j'ai de quoi pêcher. Voilà, on a un harpon plutôt puissant, on est pas mal. Attention mes amis. Oh putain, le méga tube. Oh, wouhou. On est bien là. Ah, je l'ai bien géré, hein. Oh. Accrochez-vous! Ah, truc à bâbord! Non! Taille! Oh! Bah, je meurs là, je suis foutu là. Oh putain de merde! La tempête, elle disparaît! On se casse! C'est parti! Harponnage! Regarde ça, ce beau gosse. Donc là, on va essayer de chasser un max. Bon, attention, bien évidemment, on ne reproduit pas ça. Hein. C'est. À l'époque, hein, on pouvait faire ça. Aujourd'hui, c'est pas possible, on ne fait plus ça. Ok. Elle est belle. Waouh, c'est horrible. C'est terrible. Aïe. Pauvre bête, je suis désolé, mais c'est le monde des pirates. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de faire de l'argent. C'est barbare. C'est un vrai monstre. T'imagines quand ils pêchaient ça, quand ils partaient à l'aventure à l'époque. C'était quelque chose, hein. Alors, comment ça se passe, mes petits camarades? Parce que là, on a quand même fait de la dinguerie, on a gagné une bataille, on s'est pris une tempête, on a pris un requin. C'est quand même fou, tout ça, hein. C'est tout ce qui nous arrive. Bienvenue dans mon petit bureau, hein. C'est là où je me sens bien, c'est là où je me repose. Ah, j'adore. Hop là. Wouhou! Ça va être ton capitaine qui fait ça, bon. On va quand même se faire un petit kiff. Non mais ça, si c'est pas incroyable. Moi je pense qu'il vivait quand même des sacrées aventures, hein. T'imagines, tu partais pendant des mois là en mer et tout, tu savais même pas si t'allais revenir. Alors ça, c'est vraiment la pire mort. En plus ça devait arriver, c'est sûr. Combien de gens vous pensez sont morts en tombant du mât? Ok, on va se faire une petite forteresse là qui est là-bas à 3 km. On va voir comment on s'en sort. On est rentré dans une zone interdite en plus. Je vais passer à droite là.
On fait une petite manœuvre. Ah, parce qu'ils vont m'allumer. Genre, regarde tout le nombre de canons. J'espère qu'ils vont pas me voir. On passe ici, ni vu ni connu. Ça passe, hein. Regardez comme c'est beau. On va attaquer la forteresse qui est juste ici, là. Waouh! Oh, ils ont l'air chauds de zinz. Bam! Fais tout casser! Bam! Oh, c'est incroyable! On y va, les gars! J'ai tout pété, là. J'ai tout pété, j'ai rien à foutre. On va rester mobile. Oh, on prend là. Ok, on bouge. On a pris une salve vénère. Faut bouger. Non, je suis en plein dedans. Ça passe. Wouh. J'ai derrière moi. Manœuvre. Là, la zone rouge. On est bon. Ok. Allez, faut finir le travail. Ouhou ! Oh, ça s'est joué à rien. On a pris tarif, hein. Allez, let's go. On y va. À l'attaque, camarade. Par où je passe, moi? Voilà. Oh, il y a une de ces batailles. Waouh. J'arrive. Ah, merde. Ah, bah, je suis mort. Ah, ouais, bah, j'ai plus de vie. Tiens, grosse bataille. Mais je suis dégoûté, je suis arrivé, j'avais plus de vie déjà. Ah, je suis dans la merde, là. Fuis. Non, c'est bugué. Non. Je vais sauter. Let's go. Voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans la piste. Voilà. Putain, ils font des dégâts par contre, les ennemis, hein. Dès qu'il touche là, waouh. Ah, lui il est costaud, hein. Oh. Hop. Moi je me mets derrière tranquille. Allez-y, battez-vous, hein, je regarde. Ok, je vais tuer les boss là. Je vous laisse finir le travail, les gars. Moi je m'occupe des boss. Il va où? Viens ici. Viens là. Tiens. Et voilà, c'est réglé. Ok, on est pas mal. On a trouvé le cabinet de guerre. Eh ouais, regarde-le. Faut les finir. Ici, on les finit. Pas de survivants. Bonsoir. Attendez, je prépare juste, hein, je recharge. Désolé, c'est les vieux canons à poudre. Voilà. Et voilà, une zone de libérée. Il y en a beaucoup à faire, hein, quand même, on peut voir. Là, j'étais quand même en difficulté moyenne. Après, il y a vraiment du difficile. Ah, quelle belle... Oh. Ah oui. Ah ouais, vous reprenez le travail direct, quoi. Vous perdez pas de temps, c'est bien. Notre aventure continue. On navigue sur les mers, mais surtout, je me concentre sur la quête principale. On arrive facilement à 18h, et là, je suis à 54% de l'histoire. Edward apprend que Torres est dans un fort proche avec une énorme quantité d'or. Il décide de capturer le fort et interroge Torres. Nous avons offert une récompense à qui reprendrait le singe. Quelqu'un prétend le détenir aujourd'hui. Un négrier du nom de Lawrence Prince. Il vit à Kingston. Et c'est reparti pour un petit voyage. Arrivé à Kingston, Edward découvre que James Kidd est déjà là, en mission pour tuer Prince et Torres. Edward arrive à le convaincre d'attendre le sage avant de passer à l'acte. Prince est tué par Edward pour libérer Roberts, mais... Nous sommes venus sauver ta carcasse de ce négrier. Me sauver? Je travaille pour Monsieur Prince. Retournement de situation. Et il s'échappe à nouveau. Robert! Moi, je commence à m'y perdre, là, c'est compliqué. On apprend également que James Kidd est en réalité une femme, Mary Red. Mais c'est trop! Qui cachait son identité depuis le début. Un an plus tard, ils apprennent via une lettre que le nouveau gouverneur des Bahamas, Woods Rogers, souhaite accorder un pardon aux pirates. Je te dis qu'un pardon est offert à tout pirate qui en voudra. Ruse ou non, je ne doute pas un instant que les Anglais reviendront en assaut et armés jusqu'aux dents. Mais c'est peut-être un piège. En même temps que ces événements, on découvre que Nassau est victime d'une maladie tuant sa population. Edward et Barbe Noire décident d'y remédier en allant voler des remèdes. Les remèdes sont trouvés, Barbe Noire félicite Edward, mais lui explique qu'il ne continuera pas l'aventure avec lui. Tu t'en vas, c'est ça, hein? Tu nous abandonnes? Je suis en train de boucler ma quatrième décennie.
Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième, un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde... ou chez Neptune. Au revoir, mon pote. Savoir que pour l'époque, 40 ans, c'est méga vieux. Arrivé Briscard. Plus tard, on apprend que le gouverneur a imposé un blocus à Nassau empêchant les pirates de quitter l'île. Durant cette phase, le commandant Chamberlain est tué. Edward Devane décide de faire sauter le blocus pour libérer les pirates. Après un combat épique, une fois le blocus détruit, les pirates s'échappent à Great Inagua. Edward rencontre Mary Kidd qui lui explique son projet de convaincre Barbe Noire de revenir. Pour cela, il vogue alors jusqu'à Ocracoke où Barbe Noire s'était retirée. Ah, la petite île de Nassau. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'aime cette map. J'espère qu'ils vont pas me faire chier, eux. Baisse les yeux, mon garçon, parce que tu sais pas qui je suis. Voilà, c'est bien. Je prends un petit peu de hauteur, voyez-vous. Oh oh, attends, parce que lui, je vais lui mettre une petite fléchette. Regarde ma petite sarbacane. Tu. Regarde, il va s'endormir. Ah merde, bah, ah pardon, ah ah. Ah merde. Je suis désolé. Waouh, mais ça va beaucoup trop vite. Mais calmez-vous, messieurs. Moi, à la base, je voulais juste faire une fléchette. Fais dodo. Bon, c'est bon, ça suffit maintenant, je me barre. On se barre de Nassau, les gars. On se casse. Fuyez. Au secours. Mon équipage. De toute façon, vous savez pas nager. Oh oh. On se casse. Levez les amarres. Attends, quoique, attends une minute. Eh, faites-moi aller ouf, je suis sur mon bateau maintenant. Tiens. L'avantage maintenant, c'est que j'ai vraiment un stuff de zinzin, donc... Ouah, j'enchaîne, hein. Je peux tirer 4 balles, là, je suis bien. Longue vie aux pirates. Aïe. C'est qui m'a raflé, lui. Alors toi, au revoir. Et toi, t'es le prochain sur la liste, attends une minute. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi. Voilà. Allez, tout le monde, on bouge son cul et on y va. Voilà, c'est ça que je veux entendre, des cris, des hola, voilà, je suis quand même votre capitaine, merde. Et c'est parti. Ok, attention à pas toucher. On va pas faire comme le camarade ici, hein. C'était le créneau de trop. Bon, on va en profiter pour faire une des missions les plus stylées du jeu. On va retrouver Barbe Noire. Il est un peu loin, le camarade, regardez, il est tout là-bas. Là, j'ai plein d'ennemis autour de moi, je vais faire gaffe quand même. Il y a un convoi, et bon, il y a toujours plein de petites quêtes annexes, toujours un plaisir. C'est à l'avant qu'on chante et qu'on chante. Nous y voilà. Barbe Noire. Toujours dans la délicatesse, Barbe Noire. C'est vraiment un de mes personnages préférés. Tu vas pas rester planté là comme un hareng. C'est ma retraite qu'on célèbre. Débouche donc, mon petit déjeuner. Allez, festoyons. Oh là. Ok, je vais le suivre avec ma petite vision de l'aigle. Regardez cette ambiance, mais waouh. Je fais rien. Il part dans la forêt. Ah, lui, je crois qu'il a bien bu. Hein. Hey, il court. What the fuck? Hop là! Terminé, bonsoir. Et maintenant, on va aller écouter ça. Je pense que Kenway soupçonne quelque chose. Pas grand chose qui lui échappe. Qu'est-ce que tu sais sur la plage? Je passe par là. Parle-moi un peu d'Edward Teach. Quel genre d'homme est-il? C'est Satch, monsieur. Moi, c'est à ce nom qu'il répond. Lorsqu'il prend un rhum... Ils sont en train de comploter pour nous tuer. Oh oh. Ah, c'est pas du tout discret. Je suis le pire assassin ever. J'ai bien cru y laisser la vie. Ouf. Misérable sauvage. Ne craignez rien, soldat. Nous allons en finir avec eux. Ah ouais. Ça va être la méga... Oh my god, ça va être la méga bataille. Mon bateau! J'arrive! Non! Je sais pas où je dois aller. Ok, je dois aller sur mon bateau. C'est aujourd'hui qu'on l'envoie. J'arrive! On y va! Ah bah, Barbe Noire est avec moi! Et c'est parti! À l'attaque! Ouais, mais attends, c'est un bateau de fou là par contre, hein? Ça va péter, hein? C'est parti! Faut esquiver le mortier! Ouais! C'est bon, ça passe! On va essayer de garder un peu de distance, voir ce que ça donne, si on s'en sort bien ou pas. Qu'est-ce qui se passe avec le petit bateau là-bas? Qu'est-ce que tu fous, Bernard? Ah, j'ai tiré sur... J'ai coulé l'allié, je l'ai défoncé. Ok, on est pas mal. On braque. C'est chaud, sa mère!
Oh, je l'ai eu! Wouhou! Je l'ai eu, mon mortier! Je suis resté tellement loin. Let's go! À l'abordage! Attends, moi je vais te faire un tour de dinguerie, alors regarde. Let's go! Oh waouh! C'est tellement stylé. Wouhou! Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, merde! J'étais un petit peu court sur le saut là. Allez, c'est parti! À l'abordage! On donne tout! Voilà, c'est ça, aide-moi, camarade! Ah, je me barre! Eh, hey, bonsoir! Allez, voilà! On va faire un tour là-bas! Oh, je perds beaucoup de membres de l'équipage là! C'est un carnage! Tenez bon, mes amis! Yeah! Je sors les lames secrètes! C'est comme ça que se bat un vrai assassin! Yeah! Pas touche à mon équipage! Let's go! Eh, barbe noire, le combat. Oh! Eh oui! Dans le monde sans heure, on aurait pu être des héros. Non, Barbe Noire. Ah, je me rappelais plus de cette scène. C'est trop triste. Barbe Noire est mort et le reste de l'équipage sous le choc. À partir de maintenant, je vais vraiment me mettre à speedrun le mode histoire parce qu'en fait, il est méga costaud. On apprend que le Sage serait sur Principe, une île à l'ouest de l'Afrique. Edward va s'y rendre et c'est très long. Après plusieurs mois de navigation, Edward et son équipage arrivent sur l'île. Ils rencontrent Robert, Bartholomé, le fameux Sage, mais aussi pirate. Tu dois trouver l'observatoire. On raconte que t'es le seul à savoir où il se trouve. On ne t'a pas menti. Je n'ai aucun secret à te révéler. Mais si tu m'accordes ton aide, d'ici 2 mois, quand nous serons aux îles sous le vent, tu auras tes réponses, j'en fais la promesse. Ils vont devoir trouver des fioles de sang présentes sur une flotte portugaise afin d'accéder à l'observatoire. Ils arrivent à Long Bay, en Jamaïque. Comment se fait-il que toi seul puisses trouver ce que tant d'hommes cherchent ? Je suis né avec des souvenirs de cet endroit. Des souvenirs issus d'une toute autre époque, je crois. Comme si... j'avais déjà vécu une autre vie. Edward et Robert se rendent au fin fond d'une jungle protégée par des indigènes, qu'ils vont tuer d'ailleurs, cela dit en passant. Et une fois arrivés aux portes d'une grande structure sombre, Robert tue tout son équipage. Par l'enfer, Robert, tu es devenu fou! Bien au contraire, Edward. Edward transportera alors les fameuses fioles de sang. Après une courte marche dans un temple étrange, Edward découvre enfin l'observatoire. La machine est alors utilisée, elle sert en fait à voir à travers les yeux d'autres personnes en temps réel, et ce n'importe où dans le monde. Un outil précieux, n'est-ce pas ? De la sorcellerie, voilà ce que c'est. Oh non ! Les mécanismes qui animent cet appareil sont tout ce qu'il y a de plus concret. Antique, certes, mais pas plus surnaturel qu'étrange. On deviendra les maîtres des océans. Oh, quelle ambition. Robert nous attaque, il est en fait un traître. Encore ? Ça ne s'arrête jamais. Edward sera capturé peu après et remis aux autorités britanniques. En 1721, après presque 2 ans en prison, Edward est libéré par Atabai pour sauver Mary Read et Annie Bonney. Mary, elle, meurt alors qu'elle tentait de s'échapper avec Edward. Dévasté par sa mort, Edward décida de se rendre à Tulum pour rejoindre les assassins. Pendant des années, j'ai parcouru les mers en prenant ce qui me plaisait, sans jamais me soucier du mal que je faisais. Et quand je me retourne pour regarder le chemin parcouru, je ne vois plus aucun de ceux que j'ai aimés à mes côtés. Tu dois tirer un trait sur le passé, Capitaine Canoë. Marie, avant de mourir, elle m'a demandé de lui faire honneur, de réparer le mal que j'ai fait. Tu peux m'aider. Suite à ça, s'ensuit des péripéties où Edward aide les assassins à éliminer leurs ennemis communs depuis toujours. Il commença par Rogers à Kingston, puis Robert à Principe. Edward découvre que Torres est caché à l'observatoire. Il décide donc de s'y rendre avec son équipage pour en finir. S'ensuit un combat infernal contre les soldats espagnols en plein milieu d'un temple magique en activité. On atteint Torres. Et on le tue enfin, mettant un terme à une traque infernale qui aura duré 6 ans. Ce meurtre fera-t-il ton bonheur ? Le traque assuré ta disparition, Torres. Tout ce que tu souhaitais pour moi. Mais nous avons fait pire, je crois. Tu n'as plus ni famille, ni amis, ni futur. Tu as perdu bien plus que nous. Ouais, peut-être.
Mais te tuer répare tous les torts que j'ai jamais causés. Maintenant que Torres est mort, Edward et Atabaï se chargent de remettre l'observatoire en sommeil. Atabaï remet une lettre à Edward annonçant que sa femme est morte. Edward est dévasté. Et d'un côté, il l'a laissé une paire d'années aussi, il faut dire. Il abuse. À la fin du jeu, on retrouve Edward qui attend sa fille Jennifer Scott. Il lèguera son manoir de Great Inagua aux assassins pour qu'elle devienne leur nouvelle base. Concernant Edward, il embarque direction l'Angleterre avec Jennifer. Bon là, je suis pas très loin de ce qu'on appelle le endgame. Du coup, j'ai fini le scénario, mais il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de contrats d'assassins, beaucoup de trésors à trouver. Il y a de la pêche, mais aussi de la plongée, où il faut trouver des butins. Il reste pas mal de combats de navires légendaires. Mais là, la vérité, c'est qu'il faut bien plus de 24 heures pour faire tout ça. Là, j'ai un stuff de malade. Tout est amélioré au max. Mais malgré tout, les combats restent quand même chauds. Regardez-moi mon bateau, comment il est incroyable maintenant. J'ai tout amélioré. Donc la quête principale est finie, mais il reste tellement de choses à faire, c'est impossible de faire le 100% en si peu de temps. On a des canons de dernière qualité. J'ai changé l'avant, j'ai changé un petit peu toute la personnalisation. Et là, globalement, bah, tout ce qui me reste, c'est toutes les quêtes annexes, toutes les quêtes secondaires. Le truc que je veux absolument vous montrer, c'est les épaves. Et c'est parti les gars, on est reparti. Excusez-moi, ça part. Moi, petit bateau de pacotille. Et vaut mieux pas qu'il vienne me tester, parce que là, je peux te dire mon garçon, j'ai une nouvelle artillerie là, regarde ça. Oh, je crois que je lui ai mis. Ah, faites pas les oufs, les Espagnols. Il coule déjà. Non, mais j'ai pas le temps, là, je vais pêcher. Ah, il persiste, hein. Regarde là-bas. Attends, je peux le pré-shot, peut-être. Comment ça, je suis pas dedans? Ah, merde, on a tapé. Bah oui, mais je suis occupé, là. C'est lui, il m'embête. Voilà, terminé, bonsoir. Et lui, il veut quoi, lui? Je les one-shot tous. Il y en a encore un là, je vais le taper, je vais le taper. Ça va taper! Vous voulez finir? Bah, je suis invincible! Ah, mais il y en a encore un qui va m'emmerder là-bas. Hein. C'est pas bientôt fini tout ça? Bah ouais! Hein. Bah ouais, faut pas venir m'emmerder. Vous êtes malade. Regarde ça le gouvernail, comment il est beau, comment il est bien amélioré. Regarde ça mon équipage. Si ça c'est pas un bateau de zinzin. Ok, on a une épave juste ici, ça va partir sur une petite exploration. C'est parti. Ça c'est trop stylé. Let's go. C'est parti, regardez ça comme c'est incroyable. Oh oh, je crois qu'il va m'attaquer direct. Je reviens. Je reprends l'air. Ok, c'est parti. Ok, on se dépêche. Faut que je fasse gaffe au requin. Ah! Je vais me cacher là-dedans. Il m'a pas vu, c'est bon. Ouais, je suis pas bien là. Oh oh. Non. Ah, il y a un. Ah! Putain, il faut pas avoir peur des requins. Oh oh. Ah! Je suis caché. Tu me vois pas. Non, tu ne me vois pas. Ah! Aïe aïe aïe. Au secours! Mon équipage! Putain, et lui, il se bat à main nue contre un requin, c'est n'importe quoi. Il est quand même très fort. Hein. Ah non, mais lui, il va venir aussi m'emmerder. Au secours, au secours! Vite, rentre, 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 rentre. Prends ça. Petit fragment d'animus, ça fait plaisir. Il me faut un tonneau, là. Il n'y a pas un tonneau quelque part? Oh, mais il y a des requins partout. Ah si, il y a un tonneau, là. Let's go! Ok. Ok, on continue. Un petit fragment d'animus. Eh, merci. J'entends l'or. Eh, il a une apnée, je te jure. Le coffre! Le butin! Allez, hop. Il m'en reste un, normalement, ici, mais je sais vraiment pas où il est. Hein. Pourquoi il y a autant de requins? Ils sont autant vénères, là. Laissez-moi tranquille, oh! Je vais mourir. Oh, oh, il m'attaque. Non! Ah! Je vais mourir. Est-ce que je vais y arriver? Vite, nage! Non! Bah, je suis foutu! Laisse-moi tranquille! Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Ah, là, c'est chaud. Là, j'étais bon, mais là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Allez, dépêche-toi. Oh, ça va être limite. Non, il y a un requin qui va m'attaquer. Non, je veux pas mourir. Ah non, j'y étais. Toi, c'est la déception. Non, mais tant pis, je remonte. Désolé, les gars, je reviens à Brudouille. Les mecs, ils vont remonter le truc. Ils vont trouver un cadavre défoncé par les requins.
Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire. Un grand merci à Ubisoft d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. N'hésitez pas, il y a un lien dans la description. Vous avez tous ces assassins-là à des prix malades. Et c'est toujours un plaisir de les redécouvrir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.